après vous, galanterie. Après vous, s'il vous plaît. C'est très gentil. Ça, on peut dire que c'est un été qui arrive, tu vois. Il fait bon. Un temps radieux. Il fait un temps radieux. C'est magnifique. Ça fait plaisir. Tu fais un truc, là? Parce que je me disais qu'on pouvait peut-être se boire un coup, poser en terrasse. Quelle heure est-il, madame Persil? Là, il doit être 17h30, un truc comme ça. J'ai un truc à 18h30, donc ça va être un peu juste. Ah oui, un peu short. Tu fais quoi? J'ai un date avec un homme. Un homme de ok. Ah, okay. Un garçon. Ok, ok. Super. Non, je sais pas, si t'as envie, on peut se faire ça bientôt quand même. Bien sûr. Enfin, je sais pas, si tu veux. Bien sûr, carrément. Ouais. Tu me diras comment ça s'est passé avec oui, écoute, je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque, mais ouais. Ça peut pas être pire que notre premier date. Ah ouais, c'était pas mal. Je rigole, okay. Je rigole, c'était super. J'espère que ça sera au moins à la hauteur de ce premier date. Mm. Non, je rigole. Super, sur ces belles paroles. C'était bien en tout cas. Ouais, carrément. C'était une belle expérience. Bon, tant mieux. Je te tiens au courant pour la musique, du coup. Ok. Et on se... Hein? Tu salues ton homme. Tu salueras ta femme. Yes. Ok, bon, bisous, check. Ok. Check. Ok, check, super. Eh bien, amuse-toi bien. Amuse-toi bien aussi. Et bon courage. Merci. À bientôt. Oui. Bisous. Au revoir. Au revoir. Bisous. Hey. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, ça va. Désolée, me suis endormie comme une merde. C'est pas grave. Cool. Voilà. Ouais, t'étais fatiguée du coup? Ouais, j'ai pas très bien dormi et là j'étais en studio tout à l'heure, donc c'est des journées un peu... Trop bien. Ouais. Studio musique? Ouais. Ah cool, t'enregistres un truc? Ouais, on enregistre un petit son avec un copain, donc d'accord. Du coup c'est vraiment des journées... L'heure passe en 10 minutes, c'est un truc. Okay. Bonjour. Bonjour monsieur. Écoutez, non merci. J'ai pas de monnaie. Moi non plus. C'est gentil, mais pourquoi tu veux une fleur? C'est combien monsieur? Une? Oui. Une douleur. Combien? 2 euros. Je vais regarder. Hop. Tenez. Voilà, vous, donnez-lui sa fleur. Ça sera pour moi. Plutôt rose. Ah, super. Ah, génial. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Écoute, il faut changer un peu les habitudes. Ouais, t'as raison. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Merci. Oui, ça va, vous? Oui, ça va. Ça va, super. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Tu sais ce que tu veux? Moi, je vais prendre une petite IPA, s'il te plaît. Moi, en bière, IPA, si vous avez, ouais. Je pense que ça peut être possible. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils sont trop gentils. Oui, ils ont l'air. Ouais, ils ont l'air très sympa. Ok, c'est drôle. C'est arrivé très très vite dans ce rendez-vous. Vraiment dans les premières secondes du rendez-vous. Écoute, ça. C'est un signe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça donne le ton. Ce sera très romantique. Est-ce qu'elle sent bon? Écoute, je ne sais pas. Bon, c'est un peu le caca, mais. Oui, tiens. Ouais. Ouais, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Elle est de qualité médium. Voilà, c'est pas grave. Donc, musique. Oui, t'enregistrais. J'enregistrais, voilà, un petit morceau. Voilà. Trop bien. Ok. Merci d'être là. C'est tellement gênant, je t'avoue, je suis hyper stressée. Non, mais t'inquiète, moi aussi. J'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de rencontre. Oui, de date. Je crois que c'est le... Appelons-le comme ça. Ouais, c'est le mot que les jeunes utilisent. Voilà. Mais moi non plus. Je t'avoue que... Je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes, en fait. Ah bon? Non. Je me suis dit, je le tente. J'ai l'air si méchante que ça? Pas du tout. Non, pas du tout. Mais je me suis dit, je sais pas, un gars comme moi, peut-être que... Et puis, j'ai pas, on a eu un bon feeling la première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais, carrément. Et voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un petit problème de message vocal. On en parle?
Bah, on peut en parler, okay. Hein. Je savais pas trop si j'allais t'en parler ou pas, mais ouais, il y a eu un petit. C'était drôle. Un petit accro. Il y a eu un petit accro. T'as pas trouvé ça trop pathétique? J'ai trouvé ça très très drôle. C'est peut-être même ça qui m'a fait accepter. Ah ouais? Mmh. Eh bah, tu vois. Comme quoi? Comme quoi? Non, c'était très drôle. C'était... Ouais, je t'avoue que j'étais avec ma sœur à ce moment-là. Oui, j'ai compris. Et en fait, mais c'est elle d'ailleurs qui m'a dit t'as des nouvelles de Célia et tout depuis la soirée. J'ai dit bah non, pas tellement. Mais bon, il n'y a même pas trop du de raisons. Ouais, non, pas du tout. Et du coup, elle m'a dit mais tu devrais aller boire un verre avec elle et tout. Et je me suis dit bah ouais, pourquoi pas, grave. Ah, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci monsieur. Et bah, t'es un con, hein. Ouais. Allez. Ok. Et donc voilà. Bah voilà, donc je suis content. Je suis très content. Bah oui, bah moi aussi, écoute, c'est très bizarre comme sensation. Oui, je suis une stressée de nature. C'est vrai. Assez sauvage. Ok. Donc du coup, ce genre de situation me met un peu mal à l'aise. Ok. Alors moi, comment dire? C'est pas que je cultive le malaise, c'est que je sais être assez mal à l'aise et peut-être être parfois même un peu malaisant. Donc c'est un truc que j'accepte totalement, tu vois. Si le malaise est là, je me dis qu'il faut l'accepter. Ah ouais, l'embrasser vraiment. Quelque part. Exactement, l'embrasser. Okay. Et voilà, il est là et c'est pas grave. C'est comme une petite troisième personne qui est ici. Écoute, ça me détend. Ok, voilà. Bah, tant mieux. Et c'est pas grave. S'il y a des silences, faut les accepter. Ok. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas. Mais en fait, je crois que même que depuis ma dernière grosse relation, j'ai pas fait ça. C'était quand? C'était il y a 3 ans. Il y a 10 ans. Non, 3 ans. Ah, ok. Et bon, j'ai rencontré des personnes en soirée, etc. Mais c'est différent, tu vois, parce qu'il y a d'autres gens, etc. Avoir ce truc un peu formel de premier rendez-vous. Ouais, ça tu l'as. Okay. Ça fait vraiment extrêmement longtemps. Mm. Donc, c'est un peu étrange pour moi. Pour toi aussi, je sais pas, toi c'était. Tu sors d'une relation Alors moi je suis pas du tout habituée à ce genre de rendez-vous. Mais j'ai fait ça il y a un an et demi avec un garçon avec qui je suis toujours. Bah, avec lui, c'est avec lui que je fais le petit son de musique. Ah ok, d'accord. Et on est devenus amis. Ok. Et voilà, c'était la seule personne avec qui j'ai fait ça. D'accord. Vous êtes en... Non, vous êtes... ça n'a pas marché, en fait? Ça n'a pas abouti. Ok. Et pourquoi? C'était à cause de lui, à cause de toi? Vous deux, c'était un commun accord? Je saurais pas te dire. D'accord. J'y ai un peu cru. Je sais pas. Je pense que c'est lui. Je crois que c'est lui, en fait. Il a quelqu'un, en fait. Donc, du coup... Ah oui, ça complique tout. Ça complique pas mal les choses, ça. Oui, forcément. Mais, on est resté, tu vois, en bon terme, donc c'est l'essentiel. Oui, clairement. Voilà. Ça ne bouge pas. Excuse-moi, tu as juste un petit... Un moucheron? Non, les moucherons verts? Je sais pas, c'est du pollen, tu sais, c'est la saison des... Voilà, c'est tout. Ben, merci. Et qu'est-ce que je voulais dire? D'accord, et donc, moi, je rentre tout de suite dans les questions un peu, j'avoue, je suis désolé. Un speed dating, quoi. Ouais, carrément. Ok. On a du temps, quand même. On a du temps. Okay. J'ai rien après, donc ça va. Cool, moi non plus. Non, parce que... Ouais, donc moi, je te disais, mais toi, tu as eu des... T'as déjà eu des relations, je sais pas pourquoi je te demande ça. Je sais pas si c'est le genre de questions que tu poses. Écoute, assumons que c'est un date, hein. Comme ça, oui. On se pose des questions un peu essentielles. On se pose des questions essentielles si ça, de la vie. Tu vois. Ça marche tout de suite pas. Donc, quelle est la question? T'as eu des grosses relations, déjà? Oui, effectivement. J'ai eu deux relations de... 5 ans et demi, 4 ans et demi. Donc, grosse relation, grosse déception, retour à la case départ. Ah oui. Perte de confiance, un peu de foi en l'amour. Mais, ah oui, carrément. Ah oui. Bah, quand tu fais 5 ans et que tu te dis « Ah, c'est l'amour de ma vie » et qu'après tu repars à zéro, tu fais genre « Ok ». Ouais, je comprends. Et puis, j'ai 30 ans, tu vois, il y a un moment où tu te dis « Bon, bah, ah oui, c'est quand que... » T'as passé la barrière fatidique. Voilà. Toi, t'as quel âge? 28. Ok. Toi, t'as encore 2 ans devant toi? Oui. Pour ressentir cette... Non, en vrai, mais c'est faux. Ça va vite, je crois. Ouais, ça va vite, ça va très vite. Après 30 ans, ça va, ça reste... C'est génial. C'est super. Mais c'est juste qu'à 30 ans, je pense que tu commences à... Enfin, je sais pas si c'est en tant que femme, la pression de la société et tout, mais t'as ce truc de... T'sais, on te dit, ah là, t'as quelqu'un, c'est quand que tu vas faire des enfants. C'est un peu ce truc, tu vois. On te saoule avec ça.
Ta mère te saoule avec ça? Non, pas du tout. Pas ma mère. Mais il y a des gens qui te posent la question, tu vois, t'as quelqu'un en ce moment? Bah attends. Je vais se dépêcher. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, je pense qu'en tant qu'homme, t'as pas trop ça, mais. Écoute, ma mère. Ah ouais? Commence à être un peu, ouais. Un peu inquiète? Pas inquiète, mais. Oh, quoique. Je pense qu'à même un moment, elle s'est demandé si j'aimais les garçons. Alors écoute, ne le prends pas mal, oui. Mais la première fois que je t'ai vu, oui. Je pensais que t'étais gay. Mais c'est pas vrai. Mais un petit peu. Arrête, mais, qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Mais je sais pas, mais tu vois comme quoi, mais c'est naze. Hein. Franchement, c'est des non, a priori mais non, mais moi ça me dérange pas. Mais je sais pas, t'es tellement avenant, tellement t'as une espèce de sensibilité. Je te dis ça avec un petit coup dans le nez. Oui. Mais je sais pas, t'as l'air tellement sensible. Et je l'ai identifié à ça. C'est nul. T'as envie de rire, franchement, d'accord. C'est nul. Mais okay. Non, c'est pas nul. Je me suis posé la question. Je me suis dit. Mais après, je me suis dit, ah non. Mais. Mais je t'ai dit, je crois que ma mère a déjà eu des petits doutes. Donc, l'un dans l'autre, ça me choque pas. Ok. Non, mais non, c'est je bien. M'en enfin, je trouve plus. Que c'est bien d'assumer sa sensibilité. Sa féminité, tu peux le dire. Hein. Ouais, après, est-ce que c'est la féminité? Je parlerais plutôt de sensibilité, de subtilité. Ok, mais d'accord. Non, mais écoute, donc, j'aime vraiment les filles. Ok, les filles ou les femmes? C'est très important. Oula. Ou les femmes enfants. Je suis une femme enfant, donc ça va. Non, j'aime la gentille. Très bien. Voilà. Après, non, je ne me suis jamais trop posé de questions. J'ai jamais eu d'occasion, après j'ai jamais eu d'expérience avec un homme, donc je sais pas. Ok. Non, voilà. Moi, honnêtement, je crois que j'aime les deux, hein, mais après, ouais, je pense. Ok. J'aime tout être humain. D'accord. Ouais. Je pourrais tomber amoureuse d'une fille sans problème. Ah ouais, carrément? Ah oui. Sûr. D'accord. C'est cool. Ouais. Et que dire de plus? Attends, toi tu m'as dit... Toi, t'as une relation longue ou pas? Oui, moi j'ai une relation de 5 ans aussi. Ah oui, on est dans la même team. Qui s'est terminée un petit peu pas très bien. Okay. Et du coup, voilà, pareil, c'est pas tant que j'ai perdu foi en l'amour, mais c'est plus que j'étais dans une optique de me dire, je pense que la prochaine, je vais prendre mon temps, parce que tu vois, là, en 3 ans, j'ai eu aucune autre relation. Mais c'est beau ça. T'as vraiment patienté. Patienté, oui, bah, je patiente, parce que j'ai vraiment... l'envie de trouver vraiment, de partir sur des bonnes bases quoi, et d'être sûr. Ouais, t'as pas envie de faire une relation pour avoir une relation. Oui, c'est... complètement. Okay. Voilà, je suis très bien seul. Ouais, et, c'est super. Et voilà, je pense que si je passe le cap, et ben, il faudra vraiment que ce soit la bonne personne. Mais je pense que c'est la bonne base, ça. Faut apprécier être seul. Moi, j'aime bien être seul aussi, ça va. Ok. Enfin, ça dépend des fois. Heureusement que j'ai des amis super, mais parfois, je me sens un petit peu seule. D'accord. Mais je pense que c'est important d'apprécier son moment seul pour après ajouter une autre personne. Oui. Mais je suis un peu comme toi, je me dis que j'ai pas envie de relation sans lendemain, machin. Enfin, tu vois, rien que le fait d'avoir eu cette personne pendant un an qui m'a fait un peu galérer, je me suis attachée, tu vois, parce que je suis un cœur d'artichaut. On investit beaucoup, ouais. Je trouve. J'ai envie que la prochaine personne soit la bonne. La bonne, je sais pas, mais en tout cas de construire quelque chose d'important, tu vois. Après, on sait jamais, hein, dans la vie, oui, ça sûr. Peut durer 10 ans, 15 ans, 5 ans, 20 ans. 5 jours, tu sais jamais, donc tu peux pas prévoir, mais en tout cas, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai pas envie juste de... Je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Oui, sans se mettre la pression non ouais, plus. Ouais, sans se mettre la pression non plus. Bon, bah, tu sais, j'ai bu 4 gorgées, je commence à être déjà un peu chaud. Moi, je suis sous. Ah ouais? Ah oui, complet. Oh, super. J'ai quasiment pas mangé à midi, donc du coup, je T'as suis... T'as faim? Tu veux manger un truc? J'ai envie de pâtes, j'ai envie de spaghettis, de coquillettes, de... Ah. Je mange pas de viande, je sais pas toi, mais moi... Moi non plus, je suis végétarien. C'est vrai? Oui. Exceptionnel. J'ai envie de pâtes. Je crois pas qu'il fasse de pâtes. Ah non, mais moi, de toute façon, je suis gluten-free, donc... Gluten-free? Sans gluten. D'accord, ok. Donc, du coup, je suis chiante partout. Ok, donc... Donc du coup, il va falloir que je me fasse mes pâtes, en gros. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on s'achète des pâtes sans gluten dans un magasin et que... Je sais pas, je te cuisine un petit truc.
Tu cuisines Je cuisine bien. J'aime beaucoup cuisiner. C'est vrai? J'adore ça, ouais. Mais quel bon point. Ah, écoute. Si jamais t'as envie que je te cuisine un truc, je sais pas. Pourquoi pas, surprends-moi. Ouais, on peut aller chez moi. Je cuisine bien. Ok. Personnellement. Ok. Donc il me faut plus qu'une. Pour pouvoir m'épater, il me faut un plat avec du caractère. D'accord. Tu vois, moi j'aime les paella, j'aime les trucs avec du goût. Il me faut du goût. Ok, ok. Non, mais j'ai une recette. Ah ouais? Ouais, j'ai une recette. C'est quoi ta recette? C'est une recette avec du safran et des bonnes choses. Ah, bien. Mais écoute, finissons nos verres tranquillement. Et puis après, on va faire des petites courses. Je crois que peut-être qu'il me reste des pâtes sans gluten, mais je suis pas sûre. Mais j'ai pas de safran. Mais tu veux qu'on aille chez toi, du coup? Bah, c'est à côté. Ouais. Bah, j'ai l'impression un peu de m'inviter, là. Oh non, je m'en fiche. Chez moi, c'est un peu le moulin, donc t'inquiète pas. Donc tu me laisses tes fourneaux? Alors, je déteste céder ma cuisine, c'est quelque chose qui me fait un peu mal. Okay. Mais c'est tellement rare qu'on cuisine pour moi que je suis prête à céder un peu de ma cuisine pour l'occasion. Ok, bah super. Voilà. Si, vu que c'est venu comme ça, je me dis, bon, allez, jusqu'au bout, laissons-nous porter. Et bah allez, super, tu vas pas être déçue. J'espère, j'ai la pression. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ça sera pour te remercier de ce magnifique bouquet. Oh non. Bon bah, santé. Bah ouais, santé. Pas des pieds. Non. Quand je suis sous, je dis des blagues un peu nulles. Hein. Non, mais elle est drôle. Généralement, c'est moi qui l'a fait. C'est pour ça que je suis... C'est pas vrai. Moi aussi, ça me fait rire. Ok. Bon. Mais tant mieux. Alors Non. C'est pas cuit encore. C'est pas du tout cuit. Du coup, ça te dérange pas que ça te fait pas bizarre que je... Ah non, bah, tu sais, je suis sous, donc tout va bien. Ah ouais? Et toi, d'avoir pris ma cuisine, ça te fait quoi? Écoute, je la trouve très fonctionnelle, je suis comme un poisson dans l'eau. Ah bah écoute, c'est extraordinaire. Je sais pas ce que ça va donner, par contre. Alors, tu peux m'expliquer vite fait, il y a safran, ça tu m'as dit. Oui, il y a du safran, il y a du ras al hanout. Il y a du curcuma et après des pâtes et de l'ail, beaucoup d'ail. Ouais. Et puis voilà quoi, hein. C'est que des bons ingrédients. Que des bons éléments quoi. Ça devrait être pas mal. Super. Du moins je l'espère. Bah, je l'espère aussi. On peut mettre de la musique peut-être, je sais pas. Ah, je sais ce qui me manque. T'es chez toi en fait. Bah oui. Tu cherches quoi? Justement, je trouve pas. C'est quoi? Il faudrait un genre du miel ou du sirop d'agave, quelque chose comme ça. Bah là, j'ai du sirop d'agave, oui, deuxième là. Étage. Quand tu dis que tu cuisines, tu mens pas. Ah oui, non, j'aime vraiment ça. J'aime trouver soit des textures, soit des goûts, tu vois, un petit peu sucré-salé. J'adore ça, le sucré-salé. Jouer avec les épices, jouer avec les herbes. J'ai complètement oublié d'acheter des herbes. C'est pas grave, j'ai des herbes de Provence. Oui, mais j'aime bien quand c'est des herbes fraîches. Le problème, c'est que tu vois, quand on boit trop, on est trop dans le... On n'est pas concentré. Donc, faut pas cuisiner quand on est sous, quand on est trop sous, parce qu'on oublie tout. C'est pas grave. Et tu vois, là, si j'aurais mis de la coriandre, j'aurais mis du persil, ça aurait été extraordinaire. Donc là, ce sera un peu raté. Mais non, ne dis pas ça. Ce sera super parce que c'est pas moi qui l'ai cuisiné. Donc déjà, je suis trop contente. Bon bah tant mieux. C'est tellement rare. Et toi, t'as des petites skills en musique ou pas du tout? Alors, écoute, quand j'étais plus jeune, j'ai fait 5 ans de piano. Non. Si. Mais j'ai été traumatisée par le solfège. Ah bah on est Alors tous... que j'adorais ça. Franchement, j'avais mes cours, donc t'avais les cours de solfège et les cours particuliers avec la prof de piano. Et les cours particuliers avec la prof de piano, j'adorais ça. Elle était géniale. Mmh. Et par contre, dès que j'allais faire du solfège, tous mes profs, c'était des fous, des espèces de pervers narcissiques, mais complètement malades. Oui, mais bon. Et presque. Enfin, je pense que j'aurais pu porter plainte. Enfin, vraiment, ils étaient tordus, quoi, les gars. Mais ils sont tous tordus. Ah, mais horrible. Mais les vrais passent par le solfège. Les vrais arrivent à passer outre le solfège. Mais je pense que c'est ça. Moi, j'étais trop fragile et j'ai lâché le truc. Je pense que je n'aimais pas suffisamment la musique pour aller plus loin. Ouais, et je regarde, ou alors c'est tes parents. Moi, c'est ma mère qui m'a poussée. Vraiment, j'ai fait 8 ans de violon, c'était horrible. Ah ouais. Et elle m'a vraiment poussée. Et bon, il y a un moment où elle a lâché parce que j'étais assez mature pour prendre mes décisions. Mais ouais.
c'est elle qui, vraiment qui m'a poussée, qui m'a dit c'est trop bête, tu commences à savoir jouer. Et j'ai arrêté au moment où je commençais à très bien jouer. Et tu, mais tu sais jouer des morceaux de classiques, du Chopin, des trucs comme ça? Tu au sais violon faire? Non, au piano. Ah ouais, bah oui, bah, je vais aller, je vais te faire un petit morceau. Bah ouais, allez. Hein. Mais tu vas me jouer un morceau aussi du coup. Ah non, mais moi je connais pas de morceau. Ah bon? Non, ce que je peux te faire de mieux c'est du beatbox. Du beatbox? Ouais, enfin, vraiment, c'est nul, mais c'est un truc, c'est une espèce de skills. Moi, je pense pas que je suis fort en beatbox, mais on m'a déjà dit qu'on me trouvait pas nul en beatbox. J'ai très peur. Moi, je pense que je suis nul, mais souvent, quand je le fais, on me dit, putain, mais c'est pas mal. Ah, mais ouais. Ça se trouve, c'est nul, hein. Tu vas me dire, tu vas être très honnête. Oh. J'espère que c'est pas trop malaisant. Ok. T'es prête? T'attends pas un truc de tu ouf. Tu m'as hein. dit que tu cultivais le malaise, en plus, j'ai peur. Attention, 3. Vas-y. 4. Ah ouais, quand même. Alors? Non mais ça va. Ça va? Bon, tu t'es un peu emballé. Ouais, je sais pas, mais c'est l'alcool. Mais franchement, ça va. C'est pas si ridicule? Non, ça va. Arrête. Non, je te promets. C'est un peu ridicule. Franchement, je m'attendais à un truc catastrophique. Je peux pas dire que je suis un mec qui fait du beatbox. Genre, je pense que c'est plus un truc. C'est un peu un hobby, tu vois. Ouais. Mais même pas un hobby, parce que je pense que. Genre, je regarde pas des tutos sur internet. C'est vraiment un truc. Et je fais toujours le même rythme en plus, le même air. Ah oui, tu fais toujours le même rythme. Ah oui, non, j'ai aucune autre chanson. C'est moi, j'ai un truc que je sais faire. Je pense que personne sait le faire. Ouais. Je fais des vagues avec ma langue. Des vagues avec ta langue? Ok, ça c'est très chelou. Ah ouais? Ouais. Tu sais faire ça? Non. Moi je sais faire le U avec ma langue, c'est le tout. Le U? C'est pas compliqué, ça. Non, mais il y a des gens qui savent pas le faire. Hein. Ah bon? Non. Écoute, je pense que les pattes sont bonnes. Ok, donc c'est le moment où je dois. C'est le moment d'aller t'installer au piano. Ok. Attends, je vais boire mon petit shot cul sec. Je peux m'asseoir sur le petit pouf à côté de toi? Pas du tout, non, ça me met très mal à l'aise. Je ferme les yeux si tu veux. Mais surtout que je vais me tromper et tout. C'est bon, allez, j'y vais. C'est trop bon. Quand même. Merci. Hein. Bah, mais rien. Ça me fait plaisir. C'est bien la première fois qu'on me cuisine un plat, un premier rendez-vous. C'est vrai? Ouais. Bah alors, t'es tombé sur des sagouins? Pas des sagouins, mais.
Pas des cuistots. Non, pas des cuistots en tout cas. Oui, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas cuistots qu'on est un sagouin. Ah, on est tombé sur des gentils. Ouais. Ils étaient spéciaux. Mhm. Mais sympa. Et qu'est-ce que tu recherches alors aujourd'hui? Je crois que je recherche quelqu'un qui peut m'épauler, en vrai. Ouais. Je pense que dans mes anciennes relations, ce qui me manquait, c'était de... C'est bizarre, mais j'avais toujours l'impression d'être la plus forte. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, que c'était moi qui portais un peu la relation. C'était moi qui... J'avais du mal à imaginer le... J'avais du mal à imaginer le père de mes enfants, tu vois. Et ça, ça me saoulait. Ok. De me dire... Non, faut qu'on affronte tout ensemble, tu vois. Je veux pas être celle qui porte tout, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a fait, parce que... Bah, au bout de 5 ans, quand même, tu te poses des questions, tu vois. Tu te dis... ben voilà, on va passer notre vie ensemble. Enfin, moi, j'ai une vision très... on en avait parlé, mais assez traditionnelle du couple, tu vois. Mmh. Et à chaque fois, j'ai eu ce truc où je me disais, bah, c'est peut-être l'homme de ma vie et tout. Mais il y avait toujours ce truc qui me manquait, où je me disais, putain, c'est chiant d'être... Je me sentais vraiment celle qui tenait le couple, tu vois. Vraiment. Okay. Et je pense que j'ai envie de quelqu'un qui sache prendre des initiatives. Je sais pas, qui prenne des initiatives. Je pense que c'est juste ça, en fait. J'en ai marre d'être celle qui prend les initiatives et qui m'occupe de tout. Tout simplement. Ok. Voilà. Ouais, là, je comprends. Et toi ? Moi, qu'est-ce que j'attends ? Je crois que je recherche quelqu'un qui est simple, sain. Ah oui, c'est important ça. Et ouais, et pas être... J'ai vraiment eu le sentiment parfois dans mes anciennes relations, que, surtout dans mon ancienne relation, qu'il y avait un moment donné où on était des ennemis l'un pour l'autre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et en fait, j'ai pas envie d'être l'ennemi de la personne avec qui je suis, tu vois. Ouais. J'ai vraiment envie qu'on communique, j'ai vraiment envie qu'on ait ce truc où on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, tu vois. Bah, avancer ensemble, quoi. Avancer ensemble, ouais. J'ai pas envie d'être dans un truc de jalousie, j'ai pas envie de faire du mal. Dès qu'on voit, moi, vraiment, c'est ça, j'ai pas envie qu'il y ait de conflit. En fait, j'ai horreur du conflit, déjà, de base. Et vraiment, moi, mon couple, c'est... Enfin, pour moi, c'est le couple, c'est ma maison, c'est mon cercle hyper... C'est mon cocon, tu vois. C'est l'endroit où j'ai envie de me sentir bien et où je me ressource. Mmh. Et je pense que je recherche vraiment quelqu'un qui est bien dans ses baskets et qui tu vois, qui est pas envie de jouer un double jeu, qui a pas envie de se faire peur, tu vois, jouer à se faire peur. Mmh. Tu vois, les couples qui jouent à se faire peur, être dans la passion, être dans le truc, genre, je vais aller draguer un autre mec un peu pour voir si tu m'aimes vraiment et tout. Genre... Ça, c'est vraiment trop peu pour moi, tu vois. Je comprends. Je veux vraiment quelque chose d'hyper facile, quoi. T'es de quel signe, toi ? Bélier. Je connais pas trop les béliers. C'est quoi, les béliers ? C'est bien ? Bah, on dit que je suis fonceur, mais je me sens pas plus fonceur que ça. Bélier, c'est signe de terre, plutôt. Mmh. C'est... Ouais, terre. Terre. Plutôt terre. Terre. Terre à terre, quoi. Je suis très terre à terre. Tant mieux. Ouais. Bien. Mais en même temps, un peu... Dans la lune aussi, donc c'est bizarre, mais je pense que fondamentalement, je suis... Tu dois avoir un ascendant dans les airs. Ah, peut-être. Je sais pas ce que c'est mon ascendant. Toi. Ah ouais ? Ouais, non. Faudra le calculer. Ah ouais, avec plaisir. Faut que tu prennes ta date de naissance, ouais. Ton heure de naissance et ton lieu de naissance. D'accord. Moi, c'est ce qui me sauve, hein. Je suis scorpion ascendant taureau. J'ai mon taureau qui me sauve. Si j'étais pas taureau en ascendant, ce serait encore plus dramatique. Mais là, ça va. T'as l'air plutôt chill. Ça va, tu m'améliores avec les années. Ah, c'est ça, c'est la maturité. Mmh. Tu vieillis. La vieillesse, hein, c'est la sagesse. C'est ça. C'est vrai, hein. Mmh. Alors, tu te régales ? Franchement, c'est trop bon. Franchement, délicieux. Bon, bah, je suis ravi. Merci beaucoup. Bah, de rien. C'est marrant. Ah, je cale, moi. Ah bon ? Ouais. Déjà ? Ouais, ouais. Et je pense que la bière, ça remplit, ah bah tu oui. sais. Tu te lèves tôt demain ?
Oh, comme d'hab, 8 heures. Ouais. Ouais. Et toi? Moi, j'ai un rendez-vous potentiel. Enfin, j'ai un rendez-vous pour un potentiel job à 8h30. Donc, Ah oui. C'est quoi comme job? C'est une nana qui fait une petite marque de fringues et je vais aller la filmer. Ah, oh, mais c'est bien. Ouais. Enfin, si on travaille ensemble, je la filmerai en train de créer ses pièces, etc., dans ses ateliers. Super. Ouais, ouais. Trop bien. Peut-être que tu me feras des clips un jour. Pourquoi pas? Quand je ferai des musiques. J'aimerais bien faire des choses un peu plus créatives. Je suis vachement engoncé dans un truc institutionnel où je fais des vidéos de bijoux, des vidéos de fringues et tout, mais j'aimerais bien faire des trucs, un peu comme je t'avais montré, tu vois, des trucs un peu plus perso, un peu plus... J'ai un peu du mal à passer à l'action et à prendre confiance et à me dire c'est bien ce que je fais. On me dit toujours t'as un super univers, t'as de l'imagination, fais-en bon usage. Mais j'arrive et je... On te dit ça comme ça? Ouais, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'on me le dit. Okay. Alors que pourtant, j'ai pas trop de... Mais je trouve que t'as une tête à faire des vidéos. Ah ouais? Ouais. T'as une tête... Moi, j'étais avec ma pote quand on a écouté ton message. Mmh. Du coup, je lui ai montré des photos de toi. Okay. Je dis ça parce que je suis saoule. Ouais. On trouve que t'as une tête drôle. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais faire des vidéos... Je sais pas. Genre acteur? T'as une tête drôle. Tu me fais penser à mon cousin. D'accord. Mon cousin, il fait des vidéos sur Internet et il est drôle. Ah ouais? Comment il s'appelle? Il s'appelle Lucas. D'accord. Lucas Pastor. Mais sa chaîne, c'est quoi? Il a une... C'est son nom? Non, il a une chaîne qui s'appelle Chaise. Et il est plutôt... il est bien dans le game. Ah ouais? Je connais pas. Ah, j'irai voir. C'est hyper absurde et tout. Ouais, vous êtes un peu dans le même... Enfin, je sais pas. Tu me fais penser à lui un peu. C'est drôle. Ah ouais? Ouais. Ok, j'irai voir. Après, je pense que je suis très mauvais acteur. Enfin, je me vois pas du tout faire le guignol devant la caméra, mais... Ok. Je suis plus dans un truc développement personnel, mais beaucoup... Ça se voit. Je ne dirais pas, mais bon. Ok. Bah, on verra. Mm. On verra. Mais ouais, non, j'aimerais bien. J'aimerais bien me lancer dans de nouvelles choses, quoi. Tenter de nouvelles expériences. Là, je sens que je suis bientôt... Enfin, je commence à être prêt, là. Je sens que j'ai envie de... Comme je te disais, de passer le cap et de tenter de nouvelles choses, quoi. Ça, j'aimerais bien. Il faut. Il faut, ouais. Bon, en tout cas, écoute, je passe une super soirée. Je suis très content. Je m'attendais pas du tout à ça. Non plus. Je m'attendais à rien, en fait. Ah ouais? Ouais. Mais c'est cool. Bah, tant mieux. Je savais pas quoi imaginer, mais je passe du très bon temps avec toi. Je trouve que, ouais, je sais pas. C'est très fluide. C'est chill. C'est cool. C'est cool. C'est très chill, voilà. Et ouais. Et tu joues super bien du piano. Merci. Voilà. Bon. Bon. Je vais peut-être pas trop tarder, moi je vais pas te déranger trop longtemps, je sais pas si en plus... Bon, non, tu... ça va, je suis pas pressée, hein. C'est toi qui... Ouais. Ok. Tu vas boire? Tu as assez bu, c'est ça? Oui, ça va. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Ça va, et toi? Ben ouais. Ça va la lumière? Ouais, ouais. Ok. T'es sûr ça va? Oui, c'est juste que ça fait longtemps, alors ça fait un peu bizarre, mais ça va. Mais ça va. Non, je suis hyper content. Et toi, ça va? Oui, non, moi ça va très bien. Ok. Super.
Célia. Hello. Salut. Quelle heure est-il? Il est 6h passé, faut que j'y aille. Tu sais, j'ai rendez-vous à 8h30. Ah oui. Tu peux te toucher là si tu veux. Non, 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 t'es gentil, je préfère rentrer chez moi pour me changer tranquille et tout. Ok, ça marche. Merci pour tout. Merci à toi. J'ai passé une trop bonne soirée. Ah, c'était cool. Merci beaucoup et puis ben... Bon courage pour aujourd'hui. J'espère que tu seras pas trop fatigué. Non, t'inquiète. Et On se tient au courant. Ouais, grave. Ça marche. Ben, j'y vais. Ok. Salut. Ferme la porte derrière toi, juste tu la tires. Okay.